Bonjour les amis, comme vous remarquez là, il y a un texte qui est plein de fautes d'orthographe. Vous voyez là, j'ai exagéré. Normalement, je fais beaucoup de fautes d'orthographe quand j'écris. Mais là, j'ai vraiment exagéré pour vous montrer que écrire, c'est très facile. Ça, c'est un problème qui existe chez pas mal de gens entre nous. Et qui normalement les empêche d'avancer, de faire quoi que ce soit. Donc, en dehors du fait de ne pas montrer sa tête, on peut bien entendu travailler avec des moyens qui ne nécessitent pas sa présence vraiment, et puis qui peut nous faciliter l'écriture. Donc ici, voilà, j'écris normalement, voici, voici, bon, voici mes conseils pour réussir de très bons textes. Là, il y a une faute qui n'est pas signalée par Word. OK? Donc, je vais parler de la rédaction, proprement dite, et je vais parler des corrections. Voilà, j'ai préparé ça, et puis je vais vous montrer comment le corriger. Normalement, pour le corriger, c'est très simple sur Word. C'est pour ça qu'il faut préparer son texte à partir de Word d'abord, parce qu'on peut déjà corriger sur Word, il n'y a aucun problème. Très bien. Et le Word, c'est sur révision. Alors, révision, je clique sur révision, voilà. Et puis, je vais sur grammaire et orthographe vérification. Ça, je le dis pour tout le monde, parce que ben, il y a des gens qui ne savent peut-être pas utiliser Word. Okay? Donc, ABC, grammaire, voilà. Je clique et j'ai automatiquement une fenêtre orthographe qui sort. Ça, c'est pas seulement de orthographe. Okay? Alors, il y a ici ignorer, ignorer tout, ajouter. Ignorer, c'est-à-dire que je ne veux pas changer, parce que ça arrive beaucoup. Ignorer tout, bon, ignorer tout, quoi. Et puis ajouter, c'est quand, par exemple, il y a un mot qui n'est pas enregistré dans le dictionnaire de Word. Donc, à ce moment-là, on est ajouté et ça s'ajoute à votre dictionnaire. Supposons que vous utilisez un mot comme. Quoi, un mot complètement forgé, le petit quoi, par exemple, le petit quoi, quelque chose que vous voulez développer dans votre texte, ben le dictionnaire de Word ne va pas le reconnaître. Bon, mais il va le repérer pour le corriger. Mais comme vous savez que le petit quoi, c'est un mot qui va revenir plusieurs fois dans votre texte, bon, vous allez le rajouter. Vous rajoutez ici, et puis, une fois que vous aurez besoin de répéter le même mot dans un autre texte, vous n'aurez plus à le corriger parce qu'il est déjà inscrit, donc il n'y a plus de problème. Voilà. Alors, par exemple ici, moi-ci, bon, il me propose moitié, moitié, bon, je vais chercher voici. Je vais cliquer sur voici et je vais modifier. Voilà. Ici, corriger. Là, la faute, le S qui manque ici. Bon, mes textes avec S, ça change. Et automatiquement, il va pointer sur, quand on aura corrigé un mot, automatiquement, Word, il va pointer sur un autre mot qu'il veut corriger. Alors, le texte, il est passé directement ici à Victor. Bien sûr, on sait que Victor ça s'écrit pas avec un V minuscule, avec un V majuscule, donc il l'a déjà choisi, et puis je fais modifier, regardez ici, je fais déjà modifier, ça change. Hugo, la même chose, Hugo, H majuscule, ça change. Et Rimbaud, moi, je n'ai pas bien écrit le mot Rimbaud. Mon Rimbaud,
il me donne Rimbaud, Rameau, Rimbaud. Voilà, donc c'est Rimbaud avec D. J'espère que je ne me trompe pas. Et puis, j'en ai modifié Rimbaud. Et puis, il va revenir sur toute la phrase, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que la phrase, elle commence avec un minuscule, et c'est pas normal, donc il va ajouter le D. Et puis, voilà, tac, je suis presque impeccable. Et il me reste la fin de la phrase, c'est au lecteur, il y a un S qui manque, donc au lecteur, bon, alors, il te, vous donne le choix entre minuscule, un lecteur, au lecteur, ou au lecteur plusieurs, là c'est au lecteur, c'est la totalité. Voilà. Et puis, il continue, aux intellectuels qui aiment, bon, il faut quand même faire gaffe parce que si vous appuyez directement sur modifier, il peut vous donner des mots erronés. Donc, parce qu'il y a un choix. S'il n'y a qu'un seul mot, d'accord, mais s'il y a plusieurs, il faut quand même faire attention. Donc, alors, je lis, laissez ce style aux intellectuels qu'aiment, pas qu'aiment, c'est non. C'est qui aime. Alors, qui aime, c'est bien, c'est le qui aime se gargariser. Donc, ça, il y a un air qui se balade ici. C'est gargariser. C'est gargariser. Alors, gargariser. Vocabulaire, il y a un A qui s'est déplacé entre le L et le I et qui est venu avant le B. C'est pas normal, alors c'est vocabulaire. Bon, c'est un vocabulaire, c'est pas des vocabulaires, c'est un vocabulaire. Ok, je passe. Et rechercher. Rechercher, vocabulaire rechercher, bon, c'est minuscule, enfin, c'est singulier, donc rechercher. Voilà. Pour impressionner, c'est complètement, bon, c'est impressionner normal, là, impressionner. Et il revient encore laisser ses styles, ses styles, voilà. Et ce que, là, il ne trouve pas. C'est ce que, alors là, comme nous n'avons pas de possibilité de le corriger, il faut le faire avec directement avec la main. Et puis, bon, on va mettre le curseur entre ce et que, et on fait un espace. Donc, il n'y a plus de problème. Lui, il perd un peu sa logique. Ben, il nous demande de reprendre. Je reprends et je mets l'épicier. Donc voilà, épicier. Et il revient au début de la phrase avec une apostrophe. C'est. Ben, il propose rester. Et ceux qui n'ont, bon, on sait que c'est. C'est, donc il faut faire à la main, c'est avec majuscule, c'est ce que normalement qui manquait à la phrase. Reprendre, et il nous envoie sur un français, il nous dit supprimer. Pourquoi? Parce que moi quand j'ai écrit, j'ai mis un français, donc il faut supprimer le deuxième 1, et là on est correct, le français ça prend un CCD, donc là il faut le corriger aussi. De tous les jours, les jours, on sait que c'est un S à la fin, donc on va chercher là où il y a le S à la fin. Excusez-moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, mais je fais ça pour moi aussi, je le fais pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas peut-être. Alors, là, j'ai un PAS, donc je lis, il suffit uniquement de ne pas, bon, il y a un espace entre, et là, il ne le repère pas. Donc, qu'est-ce que je fais à la main? Je mets le curseur avant le S et je le pousse vers le pas. Et puis, reprendre encore. Et votre premier problème, bon, il y a un accent, supposons qu'on ne sait pas comment ça se fait. Est-ce que c'est aigu ou grave? Donc, là, il y a la, c'est en singulier, au singulier. Donc voilà, pack. Ok. Maintenant, je vais
Je vais bien entendu continuer jusqu'à la fin. C'est la fin de mon texte ici, hein. Parce que il y a une deuxième correction et il y a une troisième correction, mine de rien. C'est pour vraiment maîtriser toute la totalité. C'est ça, c'est pour ça que je vous parle de ça. Je vous parle de Word et je vous parle de deux autres moyens pour bien corriger ce texte sans la présence d'un professeur à côté. Voilà. Alors, Microsoft, normalement, c'est majuscule. Microsoft et Word, c'est majuscule. Et là, c'est le TTS Reader, c'est une application. Mais bon, ça s'écrit comme ça, comme c'est en anglais, lui, il ne comprend rien. Bah, je vais mettre ignorer. Et puis, voilà, il me dit la vérification grammaticale et orthographique est terminée. OK. Et voilà. Vous avez vu? Très bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième correction avec un outil professionnel qu'il faut avoir pour les gens qui veulent quand même vraiment ne pas tomber dans les fautes de français normales. OK. Alors, il s'appelle Antidote. Il est là, Antidote. Là, il faut que vous l'ayez pour l'avoir. Normalement, il n'est pas prévu dans Word, mais il faut l'intégrer. Et cet antidote, quand vous le téléchargez et vous le placez dans le système, il va dans tous les logiciels où il y a du texte. Photoshop, Illustrator, InDesign, tous. Donc, c'est pas propre seulement à Word. Alors, je clique Antidote. Il me donne déjà une configuration pour travailler, mais il faut absolument cliquer sur correcteur. Je mets correcteur, et puis voilà, Antidote s'affiche. Très bien. Et puis, il va se positionner sur ma page. Ici, je change mon écran parce que je vais passer sur Antidote. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons choisi Antidote. Ben là, il faut cliquer pour passer sur Antidote, mais il faut quand même tout sélectionner. Donc, tout sélectionner parce que sinon, Antidote va seulement s'occuper de corriger une toute petite partie. OK, allez, vas-y. On y va, correcteur. Correcteur, voilà. Nous sommes sur Antidote, c'est un grand logiciel qui sort déjà énormément de fautes. Et là, Antidote, il y a beaucoup de trucs sur la correction, langue, typographie, style, pragmatique, sémantique, alors tous les trucs que je ne comprends pas. Lexique, logique, taille, performance, regroupement, mots, étymologie, temps, etc., etc., etc. Donc, nous sommes sur seulement langue pour corriger seulement l'essentiel. C'est ce que je fais pour la plupart du temps. Et puis, dans cette partie-là, il va nous révéler, par exemple, là, il a déjà sélectionné écrire et nous avons, pourquoi? Parce que si je mets par exemple là mon curseur ici, il y a déjà le « et » avec l'accent. Normalement, il vous dit « accent sur majuscule » que je n'ai pas placé moi sur Word. Donc, il corrige Word aussi. Il corrige mon texte, il corrige Word aussi. Et là, bon, il le montre. Écrire, voilà, tac, voilà. Avec accent, et puis il va passer sur les autres. Ok, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vois ça, je viens ici, donc j'ajoute un accent à écrire. Je clique deux fois. Normalement, c'est souligné en vert, c'est corrigé. ES, alors que EST, C, pourquoi? Parce que il y a un espace entre le S et le T. Donc, lui, il propose et. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais l'écrire.
mais il y a le thé qui va se balader tout seul. Normalement, bon là, il dit mon propre inconnu, bon, il ne comprend pas des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner ça et enlever le thé. Donc, ça sera, c'est notre travail à nous. Et puis, trait, la même chose. Il y a le trait qui, normalement, doit avoir un accent grave. Je corrige. Et rédaction. Rédaction, voilà, c'est choisi ici. Et je vais corriger ici. Et puis, il y a Rousseau. Rousseau. Il donne déjà ici Rousseau, ça, avec R majuscule. Je peux le corriger ici, ben, je l'ai pas dit depuis le début, mais j'ai voulu quand même montrer que c'est par là qu'on doit normalement passer ça. Mais là, il me dit, donc, je fais la même chose, je clique deux fois, et Rousseau.R majuscule. Ok? Alors, je continue, c'est partout la même chose, ça, c'est un, bon, ça, c'est autre chose, c'est adresser, bon, c'est vous adressez, vous adressez. J'ai jamais rencontré un truc avec trois vous à la suite de l'autre. Donc, c'est Z, je peux cliquer deux fois et c'est corrigé. Mais je continue, normalement, je prends cette voie-là, et bon, tac, là, il me dit, c'est une proposition subordonnée. Moi, je comprends rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Trait d'union. Parce qu'il y a beaucoup de traits d'union. Normalement, ça, je l'ai piqué sur Google, sur un truc qui parle de grammaire, de vocabulaire, et enfin, surtout de grammaire, et où ils ont mis des tirets entre les mots. Il ne comprend pas, l'institut ne comprend pas ça, parce que c'est un truc propre aux rédacteurs qui ont cette expression. Donc, moi, je ne vais pas toucher parce que c'est exactement ce que je veux vous faire passer. La même chose ici, c'est la suite. Donc, moi, je laisse. Et puis, il y a le AND. AND, il propose en. Comme c'est de l'anglais, je garde AND. Même si c'est anglais, bon, vous allez comprendre. Et, hein, sans aucun problème, je ne change pas. Et là, c'est un pléonasme. C'est un truc auquel je ne faisais pas beaucoup attention. Vous savez que dans le langage parlé, on dit souvent « il suffit seulement ». C'est-à-dire « il suffit », ben, c'est pas la peine d'ajouter « seulement ben, ». Il suffit de, et puis on passe. Aujourd'hui, j'ai voulu quand même le tromper par uniquement, parce que seulement c'est pas uniquement, et j'ai placé uniquement, mais il me le ressort, c'est-à-dire qu'il faut enlever uniquement. Donc voilà, c'est discutable, hein. Il laisse la possibilité de discuter sur ce terme-là, mais bon, comme c'est pas français, moi je vais l'enlever, et je reviens sur ce qui a été fait, c'est-à-dire que voilà, trait, c'est corrigé en vert, ce qui est en rouge, c'est pas corrigé. Et puis, il y a des trucs comme ça, c'est, il me dit que, ben, c'est avec souligné en rouge très très fin, il me dit que c'est soutenu, c'est-à-dire que c'est facile, c'est pas la peine de dire c'est très facile. Bon, nous, ici, on est en train de parler un langage normal, un langage de tous les jours, parce qu'on fait de la publicité, on fait pas on n'est pas des intellectuels. Je suis en train d'expliquer ici, je vais y revenir. Donc c'est pas la peine, je garde. And, c'est de l'anglicisme. Et puis, bon, vie, la correction. Alors là, normalement, j'ai fait la correction vie antidote. Normalement, je me suis embourré dans l'écriture et normalement je dois mettre via. Via que Antidote accepte. Et puis il va signaler par exemple là, il faut mettre, au lieu de mettre des points, moi j'ai mis plusieurs points pour donner des explications à ça. Donc je le laisse. Et finalement,
TTS Reader, normalement, TTS Reader, c'est un bon nom de logiciel. Donc, c'est pas la peine que j'y touche. OK. Maintenant, on va revenir à Word. Parce qu'une fois que j'ai terminé, j'ai fait les corrections, je l'ai quitté. Vous voyez pas ici, je quitte par la croix, une croix ici. Je clique. Il me dit, bon, ici des versions et ainsi de suite. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que j'ai corrigé, ce que je vais garder. Et je ferme. Et je reviens sur Word. Mais là, je suis obligé quand même de recadrer sur Word pour continuer mon explication. Bon, voilà. Nous sommes à nouveau sur notre Word. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le troisième moyen pour corriger votre texte. C'est ça. Je vais sélectionner la totalité. Et puis, je vais faire copier comme un grand. Alors, copier, c'est ici. Copier, ici. Et puis, je vais sortir de mon écran pour aller dans un autre. Où je peux afficher mon outil. L'outil dont je vais vous parler, c'est ça. C'est TTS Reader, comme vous pouvez le lire, même si c'est petit. Donc, c'est Text to Speech. Alors, Text to Speech, c'est texte à lire. Alors, je clique. Et qu'est-ce qui me sort? Il me sort une fenêtre, et puis avec un texte. Et si je regarde ça, c'est boîte de réception. Et ça, d'où est-ce qu'il a chopé ça? Mais je regarde, je trouve finalement, je découvre que c'est ma boîte email. Ça, c'est ma boîte email qu'il a chopé. Dès qu'il a mis, qu'il est sorti là, il a pris tout ce qu'il a à sa portée. Bien entendu, on est sur Internet. Par exemple, un logiciel normal, ça ne marche pas. Parce qu'il est logé ici, donc il n'existe que sur Internet. Et bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Je balance le texte. Et puis, si par exemple, il me sort une fenêtre comme ça vide, et que je veux par exemple rendre le contenu d'un site, quel qu'il soit, j'appuie sur ce deuxième bouton. Il me recharge la totalité de ce qu'il est en train de lire sur mon ordinateur, sur mon site, enfin, sur ma boîte email. OK. Moi, je suis venu ici avec un texte que j'ai copié sur Word et que je veux coller ici. Donc, je place mon curseur ici au début et je mets coller. Mon texte est là, entièrement. Tout ce que j'ai mis sur Word, il est là. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre autre chose. Bon, je vais sauter ces deux boutons. Si vous téléchargez ça, vous allez le découvrir pour voir à quoi ça sert. C'est beaucoup de choses quand même qui sont intéressantes. Et j'ai français G. Français G, je clique et je vois enfin, toutes les langues que l'application peut lire. Il y a l'anglais UK, il y a le bahasa indonésien. Donc, si vous êtes indonésien, vous pouvez trouver des gens qui lisent, des voix qui lisent votre texte. L'allemand, le néerlandais, l'anglais, bon, c'est femelle ou mâle, c'est femelle ou mâle. Et puis, anglais US, c'est G, bon, c'est un truc qui n'est pas très précis mais que vous pouvez essayer. Et puis anglais, Microsoft, espagnol, hein. Et puis je suis moi sur le français G parce qu'il y a un autre français, un autre speaker qui le dit sous l'extension Microsoft. Donc moi ça ne m'intéresse pas parce que je les ai essayé, mais le français G, moi ça me va. Et puis il y a hindi, italien et tout ça, japonais, chinois, etc. Donc c'est choisi. Deuxièmement, il y a fast. Fast, parce qu'il y a
Ça, c'est la vitesse normale. Ça, c'est la vitesse lente, très lente. Ça, c'est lent. Ça, c'est fast, c'est-à-dire rapide, très, très, très rapide. Moi, avec la normale, ça me donne envie de dormir presque. Alors, j'ai choisi le fast. Fast, c'est plus rapide, mais vous allez voir comment ça se lit. Le fast, ça se lit. Donc, là, c'est play. C'est très facile. Voici mes conseils pour réussir de très bons textes. 1. La rédaction. Dans le domaine du web marketing, il ne faut pas être Victor Hugo, Brando ou Rousseau pour vous adresser au lecteur. Voilà, donc vous avez vu comment la voix est vraiment féminine et vraiment très très bonne pour lire un texte. Il n'y a pas de E, ni de quelqu'un qui tousse, comme ça m'arrive énormément. Voilà. Donc, bon, je vais faire moi un truc, parce que j'ai ça dans mon texte. J'ai mis que, et que ni Word, ni Antidote n'ont repéré. C'est-à-dire, je dis, laissez ces styles aux intellectuels que M. On va essayer d'entendre ça. Dans le domaine du web marketing, il ne faut pas être Victor Hugo, Brando ou Rousseau pour vous adresser au lecteur. Laissez ces styles aux intellectuels que aiment se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les gens. Vous voyez que dans la lecture, pour tous les ratés de Microsoft Word ou de Antidote, celui-là, il le révèle à l'oreille. Par exemple, vous écoutez et vous relevez les ratés que les autres ont fait. C'est essentiel parce que ça vous aide quand même à bien contenir votre texte, à bien le corriger, à bien le maîtriser. Ok? Donc, on va voir point par point. Écrire, c'est très facile, il n'y a aucun problème. Voici mes conseils pour réussir de très bons textes. Voici, mais ça, il n'y a aucun problème. La rédaction. Dans le domaine du web marketing, il ne faut pas être Victor Hugo, Brando ou Rousseau pour vous adresser au lecteur. Laissez ces styles aux intellectuels qui aiment se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les. Je repasse parce que c'est comme c'est lu un peu plus vite. Vous risquez de ne pas repérer la faute de que. Donc. Laissez ces styles aux intellectuels qui aiment se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les gens. Vous vous adressez. Vous avez vu. Donc là, parce que bon, quand vous êtes ici, il ne quitte pas, par exemple, l'essai. Vous arrêtez, vous repartez, vous êtes toujours au même endroit. Je le refais une fois. Se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les gens. Donc le que, je l'ai repéré et je mets un i. Je recommence mon paragraphe. Dans le domaine du web marketing, pour vous adresser au lecteur. Laissez ces styles aux intellectuels qui aiment se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les gens. Vous avez vu, c'est le qui, il ressort très très bien, donc m'a échappé à cette faute. Adresser à des gens qui veulent acheter. C'est ce que se passe chez l'épicier du coin. Les clients ne se soucient pas des propositions subordonnées, conjonctives de concession et d'opposition. Co. Il parle. L'arrêt de Endco, c'est parce que je pense que l'application est tombée, passée du français en anglais, et puis elle a marqué un petit arrêt pour qu'on continue. Voilà. Je refais. Normal de tous les jours. Il suffit de ne pas faire de faute d'orthographe. Votre premier problème est résolu. Alors, là, je m'arrête un peu pour vous expliquer certaines choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé.
Alors, si je pas je repars sur mon texte, pourquoi j'ai mis écrire c'est très facile? Parce que moi, quand je mets mon texte, je pense YouTube. Et quand on pense YouTube, on pense aussi miniature. La miniature, c'est l'image sur laquelle vous cliquez pour entrer dans la vidéo. Et la technique pour faire ces miniatures, c'est qu'il faut avoir un texte très, très, très réduit. Parce que il faut quand même laisser... la miniature, c'est divisé en deux parties. Une partie titre, une partie image. Donc, voilà quelques exemples de miniatures que j'ai faites avec un titre court que vous allez voir. C'est, en général, il y a deux parties, titre, et puis il y a une image. Le titre doit être court et un peu ambigu, parce que écrire, c'est très facile. Là, vous avancez quelque chose à des gens qui, normalement, ont peur d'écrire. Donc, quand ils vont lire que écrire, c'est très facile, bon, automatiquement, ils vont automatiquement plonger dans la vidéo. Et l'image, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle soit vraiment très très forte pour quand même arriver à les deux textes, titre et image, vont inviter l'internaute à cliquer dessus pour entrer dans les vidéos. La vidéo, c'est essentiel, ça c'est une étape essentielle dans la réussite de vidéos sur Internet. Voilà donc à quoi ressemble notre miniature d'aujourd'hui. J'ai changé le titre, j'ai pu, c'est facile, mais écrire, c'est un jeu d'enfant. C'est extrêmement précis et beau et succinct. Je continue. Voici mes conseils pour réussir de très bons textes. 1. La rédaction. Dans le domaine du web marketing, il ne faut pas être Victor Hugo, Rimbaud ou Rousseau pour vous adresser au lecteur. Laissez ces styles intellectuels qui aiment se gargariser avec un vocabulaire recherché pour impressionner les gens. Vous vous adressez à des gens qui veulent acheter. C'est ce que se passe chez l'épicier du coin. Les clients ne se soucient pas des propositions subordonnées conjonctives de possession et d'opposition. Enco. Il parle un français normal, de tous les jours. Il suffit de ne pas faire de faute d'orthographe. Votre premier problème est résolu. Donc là, ici, je m'arrête pour expliquer ce bloc de texte. Pourquoi j'ai évoqué Rousseau et compagnie. C'est parce que c'est des intellectuels, c'est des auteurs et tout ça. Vous savez, dans le domaine du web marketing, il ne faut pas écrire comme les grands auteurs, aussi célèbres qu'ils sont. Parce que ce sont des gens qui ne vendent rien, ils vendent des idées intellectuelles, c'est tout. Donc ça appartient à un cercle de gens qui aiment parler des auteurs et tout ça. Et ce cercle, normalement, par rapport à la masse, il est très très restreint. Parce qu'il s'intéresse à de la littérature. Okay. Alors, vous êtes dans le web marketing. Vous allez vous préoccuper principalement sur les choses qui vous intéressent. Vous allez vendre à tout le monde. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'écouter des formules françaises venant de Victor Hugo, etc. Ces gens-là parlent un langage très très simple. Quand vous entrez chez un épicier, vous n'allez pas chercher un vocabulaire compliqué. Les intellectuels, si. C'est leur problème. Ils veulent expliquer les choses, mais ils utilisent un jargon très très spécialisé, très très recherché, que vous n'allez trouver que dans les limbes de la littérature française. Et monsieur tout le monde n'y va jamais dans les limbes de la littérature française. Ok? Donc, imaginez, vous avez autant de Rousseau qui sort de chez lui et qui va chez l'épicier du coin. Eh ben, imaginez que le gars, il va complètement oublier son métier, complètement oublier son,
langage, et puis il va parler pour communiquer. C'est très simple, avec tout le monde, il va parler la langue que lui a donnée sa mère, son père et la famille, les siens, la société, c'est tout. On n'est pas ici dans un truc spécialisé. Rousseau, il va parler avec un jargon, il va parler aussi en argot, et il va parler, voilà. Pourquoi? Parce que il s'adresse plus aux intellectuels, il s'adresse à qui? Il s'adresse à monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, il ne comprend pas la littérature, tout ça, voilà. Très bien. Mais il faut baisser le niveau de votre français. Bien sûr, il faut qu'il soit quand même assez bien formulé. Si, par exemple, vous utilisez un français normal, très très normal, mais avec de très belles expressions, je vous donne l'exemple de chez nous, des paysans, des campagnards, dans l'arrière-fond profond, ils parlent un langage, mais je vous assure, quand vous les écoutez, c'est comme si vous êtes au cinéma. Il n'y a rien à dire. On est pris par ce que nous disent, et puis ils ont la faculté de faire défiler leurs paroles en images dans notre tête. Et ça, c'est très 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 puissant. Comparément, par exemple, aux intellectuels, vous êtes dans une case un peu restreinte. Vous êtes coincé. Pourquoi vous êtes coincé quand un intellectuel vous parle? Et pourtant, il ne badine pas avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, il vous donne des idées extraordinaires. Seulement, bon, quand il va utiliser par-ci, par-là, des mots compliqués, parce qu'ils expriment beaucoup mieux ce qu'il dit, alors là, vous êtes perdu. Vous ne suivez plus ce qu'il vous veut vous communiquer, mais vous êtes comme ça en train de passer en slalom géant. Donc, votre mission, c'est d'arriver à la fin, mais de ne rien comprendre, finalement. Alors qu'avec les campagnards de chez nous, c'est extraordinaire. Ils transforment leurs idées en images, et je vous assure que c'est beaucoup plus puissant que la langue arabe. Et c'est vraiment le français, vous connaissez le français, vous parlez, c'est au niveau des idées, la plupart du temps, au niveau des idées, c'est un peu superficiel, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment au fond, pour sortir, pour transformer vos paroles en quelque chose de magique qui retient l'attention de celui qui écoute. Ça, on le trouve chez les Anglais. L'anglais est une langue qui a ce potentiel vraiment dans la conscience collective, parce que ça, on apprend ça chez soi, c'est-à-dire depuis la naissance, avec sa mère, son père et les siens. C'est comme ça, la langue est comme ça. Donc, la communication, elle passe très, 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 très bien. Avec les intellectuels, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Bon, les intellectuels, ils sont entre intellectuels, c'est compris. Ils sont très restreints. Et puis, bon, vous êtes avec, vous parlez à une ménagère, vous parlez à quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas un niveau d'instruction valable, qui n'a pas de diplôme ni rien du tout, vous parlez à toutes les régions, par exemple de la France, voilà. Donc il faut quand même avoir un langage qui retient l'attention. Ça c'est bon, il faut avoir de très belles expressions en français normal. Et ça, vous le trouvez, par exemple, je ne sais pas moi, même chez les paysans en France, peut-être chez les gens qui, peut-être les pêcheurs, des gens tout simples. Donc, c'est pour vous expliquer ce passage de ce petit chapitre. Je continue. Votre
Votre premier problème est résolu. 2. La correction. A. La correction Microsoft Word. Dans le cas où vous ne savez pas l'utiliser, voici comment elle se fait. B. La correction via Antidote, le logiciel de correction professionnelle. C. La correction via TTS Reader, l'application de lecture vocale. Donc, pour le A, B, C, si ça vous gêne, vous pouvez mettre un tiret, comme ça, il n'y a rien qui vous gêne dans cette partie-là. OK. Voilà, donc maintenant, je vais repasser vers mon Word. Voilà, il est là. Et je vais déplacer ma capture d'écran sur le Word. C'est pour vous dire... Bon, ma conclusion, ça, si je vous ai montré ça, c'est parce que je vous ai promis de partager mon vécu avec vous. Retenez ça. En partageant mon vécu avec vous, je vous révèle les choses qui sont complètement ordinaires pour moi, que je fais sans y penser. Et malheureusement, qui vous échappe à vous. Pour la plupart, ça vous échappe. Et normalement, quand j'écris, par exemple, un texte, vous savez, en vous parlant, vous voyez que j'ai des difficultés à sortir, par exemple, des idées. Je bafouille, je bégaye. Il y a deux personnages en moi. Quelqu'un qui parle, mais quelqu'un qui écrit. Dans le texte que je vous ai écrit, il est vraiment valable. Il n'y a presque rien à dire. Il va dans le sens de ce que je veux moi, c'est-à-dire parler commercialement à des gens, au lieu de parler avec du vocabulaire très très poussé. Donc, moi je suis dans la cible, si je parle comme ça, c'est que je parle avec monsieur tout le monde, et que c'est vraiment très valable. Et moi, bon, dans mes habitudes, quand j'écris un truc un peu plus spirituel, si vous voulez, je vous assure que je sors des expressions extraordinaires avec un langage simple. Mais en vous parlant, je vous trouvais que j'ai des difficultés. Mais en métier, pour parler avec monsieur tout le monde en web marketing, j'utilise un autre langage qui va dans ce cadre-là. Et c'est ce que vous avez tous remarqué, bien entendu. Et avec mes trois moyens pour me corriger, j'ai écrit, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe. Moi, vous savez, quand je tape sur mon clavier, j'ai des doigts un peu carrés au bout et il m'arrive de taper sur deux touches à la fois. Souvent. C'est pour ça que à la première copie, vous avez trouvé beaucoup de fautes qui sont vraiment impossibles à commettre normalement. Et puis, je ne suis pas rapide sur le clavier. Mais qu'est-ce que je fais? Je laisse les fautes telles qu'elles sont écrites et je continue, donc je ne perds pas mon temps. Je prends le correcteur du Word et je fais ma première correction. Une fois terminé, je passe du Word vers Antidote et je fais ma deuxième correction qui est beaucoup plus professionnelle au niveau de la maîtrise de la langue française. Vous avez remarquer ça. Et puis, pour terminer, je passe sur TTS Reader pour repérer les fautes qui ont échappé à Word et à Antidote. Je ne fais pas de fautes d'orthographe. J'écris ça en langue française très correcte. C'est ce que je vous suggère de faire. Je vous conseille de le faire. Je vous pousse, je vous prie de faire ce que je viens de vous montrer, de passer par les trois moyens pour faire un test. Je vous assure que vous pouvez, avec cette méthode, écrire un très bon livre. Il suffit
2. Bien choisir des expressions. Et avec ces trois méthodes, vous pouvez les faire. Voilà. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses là-dessus. Ça vous servira à réussir dans votre aventure sur YouTube. Je suis content que pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à ce stade-là. Et à la prochaine pour une autre démonstration, un autre vécu partagé. Et au revoir.